Nabel 1, ici contrôle Nabel. Nabel 1, j'écoute. Rasez-moi cette base, fils. Quelle est la situation? Toujours à l'extérieur. Le scan thermique relève des contacts multiples. Va falloir y remédier ou ça risque de faire mal. Reçu, Nabel 1. Hollande, terminé. Bon, on a du pain sur la planche. Faites ce que vous avez à faire. 6, vous êtes en position? Affirmatif. Bien. Exécution. Et salut à tous! Les Covenants verrouillent cette zone. C'est Fred. Mais ils s'attendent à une frappe massive, pas un groupe d'infiltration. Éliminez leur défense solaire pour que les autres Nobles puissent atterrir sur Sword et entamer les réjouissances. Soyez discrets. En les prenant par surprise, ce sera bien plus simple. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça marche. Alors, on retourne sur le secteur de la base Sword. On y était déjà allé en début de Let's Play. Et on remarque que ça a déjà bien changé. L'ambiance est très orange. Il y a des braises partout. Tout est cramé. Les Covenants s'en sont même pris aux arbres. Ça a dû être vitrifié pas loin. Et voilà ce genre de choses que j'aime. Des ambiances un peu ténébreuses. Quelque chose que j'aime bien. On a un grenier là-bas avec un canon combustible. Sans un bruit. Je pense que je vais le buter. Il va falloir faire gaffe. Alors on va jouer le jeu forcément. Donc on est sur du grognard. Je pense que le plus dangereux c'est lui. Bon bah on est parti. Wow. Bon, je vais essayer de faire ce que je peux. Ici, on a une carapace que je vais prendre. Parce que la carapace, c'est le truc le plus cool qu'il y a eu dans Halo depuis très longtemps. Non, je déconne. Mais c'est bien utile en campagne. Bon, je vais m'occuper du rapace qui... Voilà. Il n'y a plus que ce truc. Voilà, on est un peu plus tranquille. On va pouvoir buter les grognards qui restent. Bon, on va essayer de rester discret, mais ça va pas être simple, je pense. Oh, mais t'es sérieux? Ok, je te laisse. Je te laisse le ghost, de toute façon. On va y aller à pied, c'est pas grave. Structure dégagée. Tiens, t'avais raison. C'est n'importe quoi de nous renvoyer là-bas pour une simple démo. L'ONI pense que ça vaut le coup. Ça veut dire quelque chose. Ouais, que rien n'est simple ici. Et ouais, on a été envoyé ici pour détruire... Allez voir. Pour détruire les données du centre... Enfin, de la base Sword. C'est ce qu'on va essayer de faire après avoir buté ces enfants de salauds. La tourelle, elle tient même pas. Elle tient la tourelle, il y a le trépied qui est ici. C'est pas grave. Allez, c'est parti. J'aime bien la manière dont la tourelle du scorpion se recharge, regardez. À l'arrière. C'est stylé. Bon, Phil, Doug, vous venez avec moi. Ça, c'est un truc que j'adore par contre. Kaufman, Patrick... Ça, j'adore, on a le nom de nos alliés. Ça, franchement, c'est quelque chose qui pourrait être réitéré. Non, vous restez là, bon, c'est pas grave, je pense pas avoir... Viens, Doug, allez. Viens au moins à la tourelle, sérieux. Bon, bah écoute. On va pas passer 3 heures pour... Soit toujours aussi simple à piloter, le scorpion.
Je vais juste faire un demi-tour. Bon, allez, monte. Allez, file, allez. Bon, ok, t'auras qu'à prendre le ghost. Je vais pas perdre mon temps. Au moins, j'ai un artilleur, c'est ce qui compte. C'est l'heure de s'y mettre, Noble 6. Dégommez ses armes. C'est bon, on y va. Donc, on a des tyrans à détruire encore. Ah, même dans le reach, en fait, là. La cadence de tir du scorpion était encore acceptable, c'est vraiment à partir d'Halo 5 que ça. Le scorpion est mort après Halo 4 de toute façon. Ils l'ont remplacé par un nouveau modèle dans Halo 5 qu'on verra, mais je trouve qu'il est moche. Plus léger, plus facile à produire, mais avec apparemment une puissance de feu et un blindage identique. Mais au niveau de l'esthétique, ils auraient pu faire un truc qui ressemble quand même au scorpion. De la place. En fait, Halo Reach c'est pas si mal que ça quand on voit des Halo 5 en fait. Nos Falcons sont tous prêts. En tout cas, en ce qui concerne la campagne, parce qu'en multi, il y a pas photo. Quoi qu'Halo Reach est quand même un monument en termes de multijoueur, à ce qui paraît. J'ai pas connu la période, mais alors on va péter les tyrans. Ah oui, d'accord, ça a été vitrifié là. Waouh, c'est stylé quand même quand c'est vitrifié. C'est plus stylé que Meridian en tout cas. Alors attendez, on va les péter de là, je sais que c'est faisable. Allez, bim. Oh non, les rapaces, vous êtes chiants. Tout ce qui pourrait nous poser problème avant de buter les tourelles. Je pense que c'est vraiment une erreur de pas nous avoir retiré la tourelle qu'on pouvait contrôler dans Halo 2 en fait. Je trouve ça dommage. Bon, il faut tirer ici en fait, la jonction. Et voilà. Falcon, attendez. Les Falcons, on voit même pas leurs hélices. J'aime beaucoup le tyran comme tourelle, c'est stylé. Bien joué, 6. Et voilà. Falcon, avancez la descente. 6, on se retrouve dans la base. Stylé la zone vitrifiée en réalité. Je garantis pas que j'arrive à buter tous les Banshees, mais bon. Je peux essayer. La musique est pas mal dans le jeu. Franchement, j'aime beaucoup l'ambiance du jeu. Il y a beaucoup d'incohérences en termes de... Beaucoup d'incohérences en termes de scénario, forcément, mais si on prend juste le jeu tel qu'il est, l'ambiance, le design, évidemment... En fait, si on prend pas en compte Halo 2 Halo CE Anniversary, qui est un remake d'Halo CE qu'on va faire après cette play, directement après Halo Reach, en fait c'est Halo 4. En fait, Halo Reach c'est le dernier, non seulement le dernier Halo de Bungie, même s'il a été mal fait sur beaucoup de choses, ça reste quand même le dernier Halo où on a les vrais designs et les vraies musiques des Halo en fait. Enfin, quoi, quand musique, c'est vrai qu'elle diffère un peu. Mais elles vont bien avec l'ambiance, donc bien. Bon, on va buter les revenants. Après, Halo 4, c'est pas forcément pareil, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais on verra ça le moment venu. J'aurais beaucoup de choses à dire sur ce que 343 Industries a apporté ou régenté, mais on en parlera le moment venu. Mais je me rends compte qu'Halo Reach, c'est pas si mal que ça en réalité. Go!
serait que sur la moitié à tête chercheuse. On est d'accord. Ok, le revenant, c'est parti. Le revenant aurait tellement pu être un véhicule paria en réalité. Ça y est, porte ouverte, boss. Lucis, ramenez-vous, les covenants sont partout. Ouais, on l'a bien vu ça. Je vais buter ces banshees. J'aime pas si... Bon, je vais descendre du scorpion parce qu'ils vont avoir raison de moi. Vite. Bon, ça c'est fait. Ennemis, ils viennent de la SEDA. Et du garage. Plus vite que ça, 6. Allez. J'ai une petite chute de FPS, j'ai l'impression. Regardez-moi le bâtiment, comment il est. Ça marche. Oh, j'ai plus de fusil, ça c'est pas bon. Bon, j'ai ça, mais bon. En élite. C'est bon. Bon, pas de choix. C'est des sauterelles ces élites. En fait, j'aime pas trop le comportement des IA. Dans le Rich, il est trop. Il saute trop dans tous les sens en fait. Enfin, notamment les élites. Est-ce que c'est pas là qu'il y aurait le Bob à ce moment-là? Je suis en train de me demander. Je vérifie, hein. Apparemment non. Ça j'aime bien, c'est rigolo ça. Oui, je vais tous les éclater parfaitement. Il y en a 4 là-bas. Je vais les éclater aussi. Bon, là ils vont tous éclater en même temps, donc bon. Waouh! Oui, je suis un gosse. Je crois que c'est un de mes canons à combustible préférés dans Halo Reach. J'aimais bien les armes dans Halo Reach. Bon, elles diffèrent un peu de ce qu'on avait avant, mais elles avaient des petits sons quand on les utilisait, quand on zoomait. Enfin, et un petit truc en plus. Faut passer par la maintenance. L'ascenseur est foutu. Ok, ça marche. Fusil à pompe, est-ce que ça vaut le coup? D'ailleurs, ce passage-là, il fait un peu penser à... Quand on est dans le niveau recomposeur d'Halo 4, est-ce qu'ils auraient utilisé des... Est-ce qu'ils auraient recyclé des éléments? Il faut un meilleur angle. Il n'y a pas de quoi utiliser la carapace non plus, faut arrêter. Par contre, c'est clair que s'il y a un fusil à aiguille. Ouais. Je suis pas contre. Ah, il y a 2 fusils à aiguille, je vais le prendre. Bon. John avec son sniper, même dans les espaces confinés, ça me fait rire quand même. Putain, salaud. Où sont les deux cons avec leur fusil à aiguille là? Venez me chercher. Yep, des munitions en plus. Voilà.
Où est le fusil? Il est là, c'est bon. Hey, il y a des rats! Pas les buter? C'est une blague. Ah si, ça c'est exactement les mêmes trucs que dans Halo 3. Est-ce que la super combinée elle marche? Et non. Bon allez. J'ai perdu quelques munitions, c'est pas grave. Ça, cette ambiance musicale là, j'aime beaucoup. C'est pas vraiment de la musique en fait, c'est vraiment... C'est typiquement de l'ambiance en fait, mais franchement j'adore. Halo 5 manque vraiment d'ambiance comme ça. J'ai reçu une invitation à un groupe d'amis, mais non. J'enregistre. Bon. Oh la vache, ils ont tout défoncé. Pauvre gars. Ah, cette alarme. Rendez-vous aux coordonnées préétablies. C'est crypté. Vous en savez autant que moi, Noble 4. Cette alarme aussi, je veux pas faire mon nostalgique, mais il y a vraiment des choses. Enfin, si je suis nostalgique, de toute façon, quoi qu'il arrive, je sais que je suis pas forcément objectif, mais... Regardez, même ce genre d'alarme, c'est tellement des choses qui font ce qu'est Halo. En fait, c'est que des petits détails. Mais c'est les petits détails qui font toute la différence. Bon, je crois qu'il va y avoir une cinématique. Par contre, après... Non, pas encore. Faire gaffe, il y a des Spec Ops. On y est presque. En haut de la rampe et à droite. Il y a un ouragok. Il y a un ouragok. Je vais tout de suite buter l'ouragok. 1, 2, 3. Le fusil à aiguille est une merveille. Une merveille. Ah non. Oh, un maître du terrain. Par contre, toi, t'as un fusil à concussion, mon grand. Oh oui, t'as un fusil à concussion. Quoique, c'est vrai qu'en même temps, l'IA, là, elle est vraiment évoluée, quoi. Au revoir! Ce fut un plaisir. J'ai un fusil à aiguille, mais j'ai un fusil à concussion. Je sais pas quoi faire. On va s'amuser. Je ne peux pas résister. Je suis sûr que vous avez déjà connu ça. Vous hésitez entre deux armes, vous pouvez en prendre qu'une. Obligé de s'amuser avec l'autre. Ouais, je vais reprendre mon fusil à aiguille. Et allez, on va continuer. Bon, là, je crois qu'il y a une cinématique, donc on va se retrouver tout de suite après. Non, ce que je vais faire, vu que ça fait 19 minutes, je mets le jeu en pause. Voilà. Et on se retrouve pour la suite de la mission la prochaine fois dans quelques jours. Salut à tous! Vive Halo!